Toshi, Toshi, Toshi! Qu'est-ce qu'il y a, Toshi? Pourquoi tu parles plus vite que d'habitude? Vite, l'heure est grave, il n'y a pas de temps à perdre. Pedobear construit une machine à remonter le passé et il va l'utiliser contre vous. Vite, allez à ce repère, je vais vous guider. Ok. Rends-toi, Pedobear. Yeah! Vous m'avez peut-être porté un coup, mais ça ne m'empêchera pas de réaliser mon but, faire fonctionner ma machine à remonter le passé. Ce n'est peut-être qu'un prototype, mais il doit sûrement marcher. Et hop! Maintenant que vous êtes inconscient, je vais pouvoir faire fonctionner ma machine à remonter le passé pour vous détruire. Et comment tu comptes faire ça? Eh bien, mon plan est de revenir dans le passé avant la rencontre de toi et ta femme. Comme ça, bébé Waluigi ne naîtra jamais et tu ne deviendras jamais gentil si tu n'as pas de femme et de fils. Et donc, les mauves n'existeront pas. Ah 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 ah. 2010, s'il vous plaît. Ah 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 ah. Non, Pedobear va me tuer. Je te promets qu'on va l'en empêcher. Le seul problème, c'est qu'il faut trouver une solution. On a juste à l'utiliser encore une fois. Peut-être qu'il est utilisable, malgré le fait que ce soit un prototype. 2010, s'il vous plaît. Oh, eh bien, ça ne marche pas. Eh bien, j'ai entendu dire qu'il y a une espèce de minerai qui peut faire fonctionner ce genre de machine. Ça s'appelle le minerai temporel. Je pense que Toshi peut nous aider à en trouver. Le minerai temporel? Eh bien, il y en a quelques-uns dans la caverne des siècles passés. Moi et Bébé Waluigi, on part pour la mine des siècles passés. Vous, vous restez là et vous attendez. Ça va pas nous prendre de temps. Enfin, j'espère. Je me demande, il est où le minerai? On va voir ça. Waluigi, Oui, papa. est-ce que tu as toujours cette dague que le vendeur t'a vendue? Oui, je l'ai toujours. Hiya! Oh non! Tu es courageux, tu me plais bien, gamin. Tu veux quelque chose? J'aimerais avoir du minerai temporel. Félicitations, fiston. Maintenant, on pourra sauver l'équipe des mauves et ta vie. Oui. Ok, voici le plan pour le voyage dans le temps. Nous deux, on y va. Parce que si Waluigi rencontre son clone du passé, on est pas mal foutu. Vous avez raison, ça va créer un paradoxe temporel. Et moi, est-ce que je peux venir? Eh bien, tu peux venir, mais je recommande que tu mettes quelque chose par-dessus tes vêtements et que tu enlèves ta casquette parce que tu ressembles beaucoup trop à Waluigi. D'accord, et que le voyage commence.